Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis de retour sur Warzone, le battle royale de Call of Duty. Et aujourd'hui les amis, le retour de la Brou-Brou, la Bruelle is back sur Warzone. Effectivement, après avoir vu la vidéo de G-God, il a fait un tableau en classant toutes les armes qui ont le meilleur time to kill à distance. Et il se trouve que la Bruelle est dans le top 3 des meilleures armes à utiliser pour avoir le meilleur temps pour tuer à longue distance. Alors encore faut-il bien évidemment toucher toutes les balles. Et du coup, tu te dis, on va se faire un petit test. Alors j'ai peut-être pas la classe parfaite, mais on va essayer de la faire un petit peu comme ça. Mais en tout cas, le petit retour de la Brou-Brou, en tout cas en plus, hein, quand on parle de Bruelle, bien évidemment, on pense à qui? On pense à Mabzouel, hein? Mabzouel, comment vas-tu? Ouais, ça va, mais on me voit pas, je suis derrière ta tête, là. Eh, pousse-toi! Pousse-toi, fais-moi de la place, là! C'est pas possible! Ah, il prend toute la place, lui. Ah, il prend toute la place! Mais la Brou-Brou is back ou quoi? C'est quoi le truc? C'est ce que j'ai envie de faire? Regarde, tu me dis si t'es d'accord. On va se faire un petit test, ouais. Genre des anciennes méta. Genre, okay, moi, je vais prendre. Attends. Je vais jouer à l'agro. Ok, c'est bon. Ok, donc on se fait genre méta Bruelle versus méta gros, un petit peu les anciennes méta, retester les anciennes méta sur Warzone, voir un petit peu ce que ça donne. Et je sais pas si t'as entendu parler, mais apparemment maintenant avec la mise à jour, on peut trouver des jetons de spécialistes dans les coffres. Mais non, ça serait cool qu'on en trouve un quoi, que ce soit toi ou moi. Tu sais quoi, j'ai même pas envie de les trouver en fait. Ouais, t'as pas envie, parce que là, tu dis c'est ma vidéo, donc on le laisse à moi, ouais, ok? Ouais, bah, c'est quoi? Je te les laisse. Ok, ça roule. Donc, on imagine on trouve un jeton spécialiste, imagine. Pour expliquer un petit peu, on a absolument tous les atouts, que ce soit des armes ou des atouts du jeu. Donc, c'est quand même insane! Tu sais qu'il y a un atout que j'ai vu qui est sous-coté, qui te permet de pirater les clés morts. Et ça, franchement, je les vois pas souvent jouer sur Warzone. Hein. Pardon? Bah ouais, tu peux pirater les clés morts ennemies, c'est fou, ça. Objectif dans la game, pirater une clé morts ennemie et voir un petit peu ce que ça donne. Comment tu la sens cette petite game là? Je sais pas, moi j'ai vraiment qu'une seule envie, ça fait depuis 3 mois que je ne dors plus à cause de ça. J'ai envie de faire un score parfait, tu sais c'est quoi un score parfait? Non. C'est que tous les chiffres soient le même, genre c'est 1111 de dégâts, 2222 de dégâts ou 5555 de dégâts. C'est vraiment un truc, ça fait 3 semaines que je ne dors plus, je ne pense qu'à ça. Et pourtant l'autre fois je t'ai vu faire 0-0 de dégâts. 002, tu vois, donc c'était pas. Voilà, quoi, c'était pas parfait. Quoi. T'avais touché une fourmi en arrivant sur le sol, c'est ça que tu veux dire? Ben ouais. Et en plus, ça serait chiant et ça serait con qu'on termine à Farmland aussi, j'aime pas. Ah non, Farmland, il y a trop de maisons. Mais on espère ne pas terminer sur Farmland, sinon on fera pas top 1. Mais on fera quand même. C'est sûr qu'on fera pas top 1. Ah, tu l'assures là, comme ça? Non, mais si le dernier spawn est à Farmland, tu vois, sûr qu'on fera pas top 1, c'est okay. Maudit. Oh, ah ouais, c'est vrai que Farmland maudit. Mais bon, de toute façon, moi, si on a une bonne petite game, genre 18 kills environ, ça peut être sympa, quoi. Bon, bah, un petit truc sympa. Bon, bref, les amis, trêve de blabla, sans plus attendre. C'est parti! Ah, ça va? Oh! Oh putain! Quoi? Spécialiste? Ouais! Mec! Tu sais que Bertil en a trouvé deux hier, hein. Ils ont peut-être augmenté leur spawn. Bah je pense, parce que j'avais pas trouvé hier de la journée, j'avais pas trouvé avant-hier, et là ça fait le deuxième que je trouve, aujourd'hui. Birdie, deux games quasi back-to-back, spécialiste. Mais insane quoi! Oh, ça c'est lourd. Ça c'est très très lourd, spécialiste. Là j'ai déjà fantôme, j'ai déjà tracker, j'ai... En plus, ce qui est vraiment bien avec le spécialiste, c'est que j'ai passe-passe sur toutes les armes. Même sur les armes de Cold War où l'atout passe-passe n'existe pas. Ah, atout d'armes ? Ah ouais ? Bah ouais. Spécialiste, t'as tous les atouts plus les atouts d'armes. Donc j'ai balles chemisées, etc. Donc t'imagines, j'ai... Avec moi. Ah, je suis parti de l'autre côté. Genre j'ai balles chemisées sur les snipes de Cold War, quoi. Viens de mon côté, je suis plus rapt à te cover derrière. Moi, j'ai down quelqu'un. Ah. Je l'ai fini. Oh, on m'a visé, à gauche. Je sais pas d'où... Ah oui. Il est mort. Bien joué. Tony Montana, hein. Rien du tout. Ouais. Johnny Sins, oui. Rejoignez le nouvel emplacement. Oh, tellement bon ça, spécialiste. Faudrait pas que ça devienne trop ouais, c'est ça. Parce que s'ils en mettent trop, après, ça va être n'importe quoi. Bon. De Graou, on va quoi, Factory ou tu veux qu'on aille Quarry là-bas? Non, il s'éloigne. Vas-y, bah non, on va Factory, non? 25 mètres à gauche. Wow. 7 mètres, juste en dessous. Eh merde, bien joué. Ah mais du coup, j'ai régénération rapide aussi. Ah oh. Ça c'est bon ça.
silence devant aussi. Bien vu, bien vu. Ah mais ça va être très très bon ça. Recharge des... Enfin, bref, tout quoi. Passe pas sur les armes de Cold War, c'est fort quand même. Bah passe pas, c'est balle à pouvoir d'arrêt quoi. Ouais, genre sur, disons, un, sur un snipe, balle à pouvoir d'arrêt, déjà qu'il y a une balle à pouvoir... Les balles à pouvoir d'arrêt sont assez fortes. Mais c'est fou ça qu'il les a tout aussi sur les armes de Cold War, je savais pas ça. Bah en fait... C'est pas que c'est sur les armes de Cold War, c'est qu'en gros, quand t'as spécialiste, t'as tous les atouts 1, 2, 3 et les atouts d'armes. Donc sur les armes de Cold War, ça doit fonctionner aussi normalement, non? Enfin, j'imagine. Bah, j'espère. Et là, j'achète moins cher les. Ah oui, j'achète moins cher les, moins cher les drones. Ah ouais, tu vois. Le drone il coûte 3000 là, tu vois. Bien fait de te donner ma thune. Ouais. Y'a un gars dans les. Il est dans les airs. On va. Ouais, Superstar. Black Shield ici. Derrière la voiture à ta gauche. Il est parti dans le super saut. Ouais, j'ai vu. À terre. T'as ton autre drone à mettre ou pas? Non, non. Il est parti. Il y a une... il y a... Ah bah j'allais dire, il y a une sacoche, mais j'en ai pas. Boîte de munitions. Ouais, il est parti. Ah, il s'est barré lui. Ah ouais, l'autre il est parti. Ah ouais, il a dit ouais, pff, tu sais quoi? Non. Voilà, là, l'agro à longue distance, ça m'a déçu là. Ouais, mais je t'ai dit, c'est pas. C'est pas. J'aurais dû le tuer 1000 fois. Ah bah, t'aurais une Krieg, une C58, une Farah, il était mort le gars. Attends, je reprends un petit drone. C'est pété. Alors, par contre, il y a un truc qui est bien. Oh, il y a un hélico au-dessus. Ouais, ok. T'as du monde. Est-ce qu'il est bien ? J'ai du monde là. C'est que quand tu meurs, le jeton de spécialiste disparaît. Ah ! Je savais pas. Donc, en gros, c'est ça qui est bien. C'est que bah, tu le trouves pas sur les autres ou quoi. Putain, j'ai encore un drone, je le reclaque direct. Je vais m'occuper des deux plots là, qui sont devant moi. Bah, il y a un gars shop là. Il y a deux gars là. Petite maison là. Ok, vas-y. Ah, il y a une réa en fait. Oh, c'est bon la gros. C'est bon la gros. Je te les ping. Oh, il m'a mis à terre. Essaye ou pas? Je peux me réanimer plus vite aussi. J'ai remis à terre dans le box. Si tu veux y aller. C'est bon. Bien joué. Parfait ça. L'hélico il est descendu. Il a jeté l'hélico. Il est crack les gars l'hélico. Il est où, il est où? Et ils sont sur le bâtiment. Il y a un gars dans le concessionnaire derrière. Ok. Mais mec, c'est insane comment je peux me réanimer plus vite aussi. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable. Je prends une self à ma gauche. J'arrive. Oh non. Derrière moi. Viens là. Top vert aussi, hein. Top vert où il y avait l'hélico. Il y a un mec. Ça arrive à ma gauche. Et je te réanime plus vite. C'est le boss. Encore un mec, hein, t'as entendu? Ouais, j'ai entendu. Et à droite. Bien joué ça! Il a cru quoi lui? Run self? Vas-y, bah moi aussi. Le reste. On est bien là non? Véhicule à droite. Tu veux qu'on le joue? Je sais pas si on le joue. On va voir si c'est sa caisse. Oh shit! Oh non. Ah, tu me finis? Tu tues pas mon pote, bien sûr que je te finis. Thank you. Ah, je l'ai mis un peu low, mais pas suffisamment. Vas-y, il y a deux mecs ici. Hein. Je reprends un drone, hein, j'en profite. Hein, c'est 3000 balles un drone. Et c'est 3000 balles un drone. Hein. Ah, c'est donné, hein. Ah, mais mec, t'économises de ouf. Ah, il y a deux gars sur notre... Bah non, mais c'est ça qui est génial, genre je me réanime plus vite, j'ai tracker, j'ai régénération rapide, j'ai tout quoi.
Y'a un gars solo à gauche, y'a un gars solo à gauche, juste à notre gauche, Sky. J'aurai vraiment contact, hein. Attends, j'ai mis un silence de mort, j'y vais. Attention. Oh, c'est une full team, y'a un fantôme. Oh, j'ai pas vu, y'a un fantôme. C'est pas grave. Le moment que tu gagnes le fight, parfait. J'ai gagné le fight. Oh, je sais pas si j'aurai le temps de revenir par contre. Oh, c'est chiant. On va le faire, mon petit. On va le faire. Il y a des mecs devant toi ou pas? J'essaie de te ping. Pour le moment, Ah, il y a une réa à gauche, au chap à ma gauche, t'as vu? Ouais. Ce serait bien de les tuer, ces ploucs, pour que t'aies les armes. Ouais, je le vois pas. Je vois personne. Ouais. Bah, il va devoir bouger de toute façon. Juste, je vois personne. Hein. Ah, ils sont là-haut! Ah, ouais, ok. Oh, il y a son pote là. À terre. Bien joué. Jette une frappe. La frappe, elle a fini. Son pote est écrasé. Ah, bah. Oh, son pote, il est con! Il est con. Il voit son mec mourir. Non mais il va le looter. Il va le looter. Il est au courant que la frappe passe deux voix ou quoi. Ah bah tant mieux pour moi, tiens. Bah voilà, t'as des armes. C'est bon, j'ai du stuff pas fait ça. J'ai une boîte de mines si t'as besoin, mais. Tout était prévu. J'ai une boîte de plaques si t'as besoin. Non merci. Je veux des plaques, toi. Je suis full. Il est con. Eh mec, la blue blue. Elle fait plaisir. À la gros, ouais. Oh. Ah, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Après, c'est vrai qu'avec le laser tactique, c'est bien. Mais en vrai, je pense que ça serait mieux de mettre le chargeur de sang avec la poignée et le laser tactique. Mais je te dis, c'était bon, hein. Chargeur de sang, c'était bon. Parce que tu ressens quand même que c'est un stio peu instable de loin. Ouais, quand t'es de loin, c'est ouais, compliqué. Ouais. Quand t'es de loin, c'est... Ça, je trouvais hier avec le chargeur 60, c'est que... Pff. Oh, attends. Ah non, c'est un arbre. Oh, mais mec, avec les graphismes en low que j'ai là. Je crois que c'était un ennemi. Tu joues sur un PC portable ou pas? Non, j'ai un studio PC, mais. Tiens, viens. Tu veux pas prendre Autoria? Si, je veux bien. Tiens. Pas une mauvaise idée. Je joue sur un studio PC, mais. Bah, il est pas non plus si puissant, quoi. Ouais, je vois. Ah, 37 mètres. Oh! Trois gars là! Effectivement, il y avait bien un gars. Dans la banque? Sur la banque. À terre. Ils sont trois, il reste un. Il y a. C'est bon. Ok. Ok mec. Ok mec, on est bon. Il y a un masque à gaz là si t'as pas. J'en ai pas. Faudrait trouver un jeton de spécialiste encore. Je sais pas, d'ailleurs ça serait intéressant de savoir combien de jetons de spécialiste il y a sur la map. Mais oui, ça aurait été bien qu'il le fasse, ça. Genre, il y en a 3 et puis c'est tout. Ouais, genre il y a 3 et puis c'est tout. Oui, comme les lamas sur Fortnite éventuellement, tu vois. Ouais. Je sais pas. Après, c'est bien par si contre que... Si tu réussissais à avoir les 3 lamas en une game, tu gagnes 4 d'argent, non. Tu quoi? C'était la rumeur, ça. C'était le fake easter egg. Le fake si tu réussissais à avoir les 3 lamas en une seule game, t'avais une pioche spéciale ou je sais pas quoi. Ouais, chose qui était faux, bien évidemment. J'y ai cru, hein. Franchement, moi j'y ai cru. Oh, il y a un gars là. Où ça? Soldat ennemi sur moi, je pense. Ouais, j'ai entendu aussi. Il y en a un que j'ai crack, mais. Soldat ennemi, j'ai entendu par un chute pas loin. Hein. 44 mètres à ma gauche. Tu le vois ou pas? Ah, il est là-bas. Bah, c'est eux que j'ai. Crack shield. Crack shield devant toi, crack shield. Un peu plus que ça maintenant. Je vois rien avec tracker. C'est toi la porte? Non. Il y a une porte qui s'est ouverte. Hein. Putain, en plus j'ai mes petites... Moi ça. Mes petites explosives qui se rechargent, quoi. Ah bah oui, puisque t'as les raisons express aussi. Putain, bah mais mec, c'est insane, hein. Ça a sauté, ah. Ça a sauté derrière nous. Ouais, ouais.
J'ai vu un gars là. Ouais, ouais, ils sont deux, les deux sont là. 20 mètres, ouais. Bon, là, si je prends un petit four, je pense que je suis avant eux. J'hésite, je la prends. Ouais, mais non, mais reste pas dans la zone. Ah, mais c'est vrai que... ah, non, mais c'est vrai qu'on peut la prendre ensemble. J'oublie ça à chaque fois. Ils sont en haut ? Tu prends la tiro pour venir t'aider ? Je sais pas s'ils sont... ils sont pas dans la tiro en tout cas. La tiro, c'est safe. Mais s'ils sortent devant moi, je les tue. S'ils sortent devant toi, tu les tues. Ils sont là. Crack shield. Le premier qui saute, crack shield. Le deuxième qui saute, bien touché. Je l'ai pas eu. J'ai eu le premier. C'est bon. Let's go. Bah heureusement, parce que j'ai eu un shoot, mec. Ouf. Ouais. Ça vient de passer deux, donc ils doivent être pas loin. Il y a une caisse jaune qui est tombée là-bas. Je sais pas si elle est tombée à cause du gaz. T'as chiré. Devant moi. Là, là, là. Point orange. Crack shield. Ok, il y a A aussi. Un T. Toto, rien. Encore un. Encore un, encore un, encore un. Ouais, on vise. Ici, ici, ouais, derrière. À terre. Tu l'as eu? Ouais. Autoréa, je pense qu'il a un. Ouais, ouais, je pense aussi. Bien joué. Ah, mais mec. Mais en plus, j'ai l'alerte maximale, donc. Je prends une caisse pour moi. Je savais que le mec me visait, quoi. T'es trop fort, mec. On te l'a déjà dit, ça? Je suis pas trop fort, mec. Tu veux que je te donne une arme ou ça va? Ben, je vais pas prendre le fantôme, hein. J'ai pas de classe. D'accord. Ok, je vais prendre un snipe. Vas-y. Je te donne une arme? Non, je vais prendre un PPSH, ça va aller. Ok, ok. Vas-y. Allez, les deux commis, on se les fait. Ouais. Les kills deux. Faciles. Traversant. Ils savent pas ce qui leur attend. Je prends le premier, ok? Voilà. Do you know the blue blue man? Bah la brune à cette distance, c'est mortel, hein. Ah ouais. Brune à cette distance, c'est... la distance parfaite. C'est impardonnable. Je pense qu'on peut aller dans la zone, il y a un gars là. Ouais, 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 c'est mieux. Et on va aller dans la zone direct par la droite. Il y a un shop en plus, on arrive. Celle-là, on la valide. Celle-là, on la valide, ouais. Je valide. Je vais repasser au shop pour un drone. M'en veux pas. Oh putain, il m'a mis. Il est sur le bâtiment bleu. Okay. Il m'a mis une frappe, j'arrive. Attends, attends, attends. Et merde. J'ai mis une frappe sur lui. Je dois le calmer un peu. Il arrive, il a jump. Ils sont deux. Un crack. J'ai mis une frappe à précision. À gauche, il passait là. Il m'a jeté une frappe aussi. Ouais, faut avancer. Ils vont être chiants. Ils se font tirer dessus derrière. Ils sont là les deux. Ok. Un touché. Ah, ça va être compliqué. Back shield. C'est bon, je suis passé. Et là, putain de masque de merde. Un terre. À ma gauche. Je vais mourir du gaz, hein, mais je les ai eu. Pas grave. Gagne là pour moi, Skyrose. Mec, c'est horrible, hein. Je peux rien faire. Et à chaque fois que je tire, il y a le gaz qui se mettait, ça m'enlevait. Quand t'es en train de tirer, le masque, il devrait pas se mettre. Mec, là, mon masque de gaz, il s'est pété beaucoup trop vite. Ouais, t'as un shop, mais t'as même pas tué, en fait. Pas grave. Vas-y, gagne là, Sky. Jusqu'au bout! Mais non. J'avais oublié de faire ça. C'est incroyable ça. Elle est désactivée ou elle est à toi? Elle est à moi. Oh, imagine, il fera devant.
T'as une boîte de mine pour les termites, si tu veux. Elle se recharge toute seule. Ah oui. Plus que 9 ennemis. Éliminez-les. C'est plus ça que les morts. T'es le meilleur. T'es le meilleur. Ouh. Deviens, Sky. Prends l'autre masque à gaz. Il est mieux. Ah, bien vu. Y'a plus de chape, hein. Non, deviens. You're part of the job. Oh non, mytho, mytho. On est d'accord, il a mytho, le gars. Bah ouais. C'est le gars solo en plus. Je sais pas, mais non. Il s'est fait mettre à terre juste après en plus, non. Non. Ouais, le gars, il a 6 kills, c'est dégoûtant. Ouais, c'est une bonne game quand même. Et c'est là que tu vois, ah, et ouais. Le spécialiste, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Genre le gars, je pirate sa clé mort qui se prend. Et c'est là que tu te rends compte, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça te permet de tester aussi d'autres atouts. Tu vois. Et là, tu vois que l'atout de piratage, c'est insane, hein. Mais c'est insane. Bon, c'est pas non plus tout le monde. Ouais, mais il est con. Il mérite de mourir. Mais je veux dire, la game était bonne. La game était super bonne. Même si on n'a pas gagné, on aurait pu. Mais tu vois que l'atout piratage, là, dans le coup, attends, je vais aller sur la classe. Et je vais modifier un peu d'ailleurs. Parce que je pense qu'en réalité, il faudrait peut-être mettre le chargeur de base, tu vois, de la Blue N. Et mettre un petit accessoire de canon, quoi. Tu vois. Franchement, une petite poignée d'avant de tireur d'élite. Je pense que ça peut être vraiment bien pour avoir une bonne précision de loin, quoi. Et du coup, sur les atouts, c'était quoi que j'avais là? C'était... C'est observateur? Ouais. Ah ouais, déceler les ennemis, l'amélioration de combat, les séries d'élimination. Il suffit de regarder dans le viseur pour les indiquer aux coéquipiers, pirater les claymores, mines de proximité, Slobis C4 et système trophy ennemi. Ça peut être vraiment intéressant. Pirater un trophy, ça va être rare, tu vois. Ouais, mais par exemple, regarde, tu les vois à travers les murs, tu vois, comme on a vu là. Il y a un gars qui campe dans la... Tu vois, quand t'es dans le bâtiment, il y a un gars qui campe dans le bâtiment avec son système trophy. Tu le pirates, tu le flashes, ou tu le paras, et puis le mec, il comprend rien, quoi. Ou même si lui, quand t'arrives, il te lance une para, en fait, c'est lui qui se la prend. Tu vois, c'est ça qui est incroyable. On a vu que technicien, l'autoréa était plus rapide, j'ai pu réanimer également ma besoin plus rapidement. Alors, endurci au combat, et c'est là où c'est vraiment, pour moi... le truc qui est vraiment dommage, et je pense qu'ils vont l'améliorer parce qu'ils ont dit qu'ils allaient améliorer les atouts, c'est que endurci au combat, si tu regardes bien, il dit réduit l'effet des flashs, étourdissement, IUM et gaz. Il dit pas les paralysantes. Ah, c'est étourdissement, non? Ouais. Parce qu'en anglais, étourdi, c'est stunt. Ouais, mais c'est pas. En vrai, l'atout est pas effectif du tout. Si tu regardes bien. Parce que là, ça m'est arrivé tout à l'heure, pas cette game-là, mais j'ai chopé un jeton spécialiste tout à l'heure, je me suis fait para, mec, j'ai pas vu la différence. Hein. Pour moi, c'était pareil. Et c'est un peu dommage, parce que réellement, là où ce qui est un petit peu dommage actuellement, et c'est là où ça va changer au niveau des atouts, c'est que tout le monde prend toujours les mêmes. Tu vois, dans l'absolu, t'as des mineurs, t'as surarmement ou fantôme sur ta deuxième classe, et survolté. Tu vois, généralement, les gens ont ça. C'est rare que ça change énormément. Alors, il y a des gens qui prennent régénération rapide. Pour les gros slayers, c'est vrai que c'est très intéressant parce que ça te permet de remettre la santé dès que tu tues un gars ou tu le finis. Et donc, du coup, ça te permet de continuer assez rapidement. Mais il y a des atouts qui sont pas vraiment utilisés. Sang-froid, à l'époque, au début de Warzone, oui, parce que il y avait beaucoup de gens qui utilisaient les thermiques. Maintenant, c'est un peu fini. Il y a pas de course, mais je veux dire, généralement, tu te prends souvent des grenades, des CK, des machins. Donc, t'as plus tendance à prendre des mineurs. Mais là où ça va changer, je sais pas si t'as entendu d'autres choses, mais alerte maximale,
te permet d'aller mettre une pulsation quand tu te fais repérer. Et on l'a vu dans le gameplay, à un certain moment, l'écran se met jaune d'un côté, ça te dit qu'il y a un mec qui est en train de te viser de ce côté-là. Et apparemment, ils vont faire une prochaine mise à jour où tu pourras entendre les silences de mort grâce à l'alerte maximale. C'est pas effectif déjà ? C'est pas effectif encore. Et c'est là où justement, il y a un gros travail à faire. Si tu fais un gros remaniement des atouts, je pense que le jeu pourrait être beaucoup plus intéressant parce que beaucoup plus varié en termes de technique de jeu. Et surtout, quand tu joues en squad, bah t'as un gars par exemple, moi ce qui est bien avec technicien, c'est que bah tu réanimes plus rapidement. Donc généralement, c'est Birdie qui apprend technicien. C'est bien dans une équipe, t'as un gars qui réanime tout le monde, il met sa smoke, qui réanime tout le monde. Et stratégiquement, dans une équipe, c'est génial. Mais pour moi, là où il pourrait améliorer le truc, c'est que quand tu réanimes un gars avec technicien, non seulement tu le réanimes plus rapidement, mais en plus, il est full santé. Tu vois, il a la santé au maximum. Ah, c'est bon, ça. Pas les plaques. Insane. Pas les plaques, bien évidemment, mais au moins, il a la santé au maximum. Ça serait vraiment intéressant. Ça mettrait le gars, il dirait, bah, tu sais quoi, je vais prendre technicien, parce que vraiment, ça vaut le coup, tu vois. Là, c'est intéressant, mais est-ce que c'est si intéressant que prendre un autre truc, tracker, par exemple? Parce que tracker, je pense que c'est vraiment l'atout le plus sous-coté, parce que ça te permet de voir où est-ce que l'ennemi est passé. Il n'y a pas un moyen de contrer tracker. C'est ça le truc, tu ne peux pas contrer tracker. Après, c'est vrai que bah, généralement, on va prendre survolté, parce que ça te permet de changer d'arme plus rapidement. Mais ça dépend les classes que tu vas arborer. Mais si jamais tu prends une arme très légère ou deux armes légères, en vrai, survolté, c'est pas si nécessaire que ça. Et là, tu pourrais en profiter pour prendre un petit observateur. Ou en tout cas, c'est vrai, quand tu vas jouer en solo, observateur, tu dis bon, ça prend une place quand même importante, mais en équipe, ouais. Tu joues en squad, t'as un mec qui prend technicien, t'as un mec qui prend observateur, t'as un mec qui prend tracker, bah tout de suite, dans l'équipe, il y a un gros plus en termes de stratégie. Pour les gens qui jouent vraiment en bonne communication et qui jouent en formation groupée, si t'as un mec qui a un chaque atout comme ça dans le jeu, en réalité, t'as une chance de t'en sortir vraiment supérieure. Et stratégiquement parlant, c'est très intéressant. C'est juste que, jusqu'à maintenant, je trouve que les atouts sont bien, mais ils pourraient vraiment être mieux pour que finalement, ça fasse comme une catégorie, tu sais, un petit peu comme dans un Battlefield où tu vas avoir une section, tu vois. Et que là, l'atout numéro 3, dans une squad, s'il y en a un qui prenait un de chaque, en réalité, avec une bonne communication et une bonne formation groupée, ça pourrait être stratégiquement, ça pourrait être quasi imparable, quoi. Mais en réalité, je pense qu'il y a beaucoup d'atouts qui devraient être remaniés, améliorés, équilibrés, pour qu'au final, il y ait une plus grosse diversité en termes de stratégie dans le gameplay. Et quand ils auront fait un bon travail sur les atouts, je pense qu'on pourra avoir un jeu vraiment plus sympa. Et un anti-cheat, bien évidemment.